En deux temps, je vais commencer par le programme sportif et ensuite le programme festif. Au niveau sportif, nous avons cette année un tableau final qui est très relevé avec 10 joueurs parmi les 100 meilleurs français. Jules Marie, qui est le vainqueur de l'année dernière, qui est numéro 50 français. Julien Aubry, qui est numéro 30 français. Jocelyn Wana, qui a déjà gagné deux fois à Hyères, qui est numéro 37. La tête de série numéro 1, c'est Alexandre Sidorenko, qui est numéro 23 français. Donc il est juste en dessous des Tsonga, Gasquet, tous ceux qu'on voit à la télé régulièrement, surtout les tournois du Grand Chelem. Donc c'est vraiment du gros niveau. Et Maxime Teixeira, qui est numéro 38 français. Donc ça fait 5 joueurs dans les 40 meilleurs français, ce qui est déjà un très beau tableau pour un tournoi de ce niveau. Sachant qu'il y a 5 autres numérotés français, donc jusqu'à 100, qui se sont inscrits par eux-mêmes. C'est-à-dire l'attrait de ce type de tournoi. La dernière fois, je vous avais dit que des tournois de ce niveau, il y en avait une cinquantaine en France. Je me suis renseigné, il y en a 10. C'est pas tout à fait pareil, en effet, oui. C'est pas pareil. Tous les soirs de la semaine, nous aurons des matchs, une vague de matchs à partir de 17h qui seront suivis par une deuxième vague, c'est 18h30, 19h, tout dépend de la durée des matchs. Le lundi, nous aurons les 16e de finale avec l'entrée en lice on va dire du moins bien classé qui est numéro 100. Le mardi, nous aurons les 8e de finale avec l'entrée en lice des numérotés, on va dire, entre 50 et 92. 8e de finale. Le mercredi, nous aurons les quarts de finale où rentreront en lice donc les quatre têtes de série, les quatre meilleures têtes de série. Donc ça va commencer vraiment à jouer très 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 bien. Et ensuite, donc jeudi, les demi-finales. Et vendredi, donc une grande soirée avec les finales. A priori, en fonction de la météo, on a prévu aujourd'hui de faire les finales dames, parce que le tableau dames, on n'en parle pas suffisamment, mais il va être aussi très relevé avec des joueuses négatives et numérotées françaises. On a prévu donc de faire les finales dames aux alentours de 17h30, suivi de la finale hommes.